La fréquentation de cette première demi-journée des Herbes à venir est excellente. Environ 800 personnes se sont déplacées à Bernières-en-Santerre, dans la Somme, pour venir voir 16 machines au travail, 16 machines en démonstration dynamique, dans les betteraves, bien entendu, mais également dans d'autres cultures. La 6e édition des Herbes à venir a vu des innovations cette année, des innovations comme le partenariat avec la ferme 3.0, la Chambre d'agriculture de la Somme, et également il y a un pôle implantation pour utiliser en culture biologique. En repiquant des betteraves à 4-6 feuilles, cela nous permet de passer des désherbages mécaniques et des ersetteries dès 10 jours après l'implantation. Une autre voie qui est tellement étudiée à l'ITB sur l'implantation, c'est le semis en carré, dit en carré, où on sème les betteraves à 45 d'espacement et d'interrang, ce qui nous permet de travailler avec des bineuses 90% du sol. Des herbes à venir permet aussi de voir toutes les nouvelles innovations en termes de désherbage de betteraves, par l'intermédiaire de guidage, de caméras, de GPS, et également de nouvelles technologies via la robotique et le robot qui désherbe mécaniquement entre les rangs de betteraves.